tu t'en attends pas, les choses se présentent, toi, tu es juste là, disponible à ce qui se passe dans ton présent. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient dans la minute, dans l'heure qui suit. Forte, limpide, insaisissable. Forte, limpide, insaisissable. Forte, limpide, insaisissable. Forte, limpide, insaisissable. Fort, 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 limpide, insaisissable. Fort, 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 limpide, insaisissable. Fort, 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 limpide, ma mère a fait de la méditation transcendantale, elle était vraiment comme ça, elle était flamboyante sans vouloir être flamboyante, puis quelle belle image qu'elle nous a laissé, c'est un legs magnifique qu'elle nous a laissé, et on est tous à une exception près dans le monde de la création. Mes sœurs et moi, en littérature, en art visuel, on est vraiment tout, on baigne là-dedans. Puis j'ai l'impression que justement, ma mère nous disait, ben tout est possible, 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 tout est possible. J'ai découvert un petit filon, il y avait quelque chose qui m'intéressait. Donc, je joignais et la peinture et la photographie pour créer quelque chose. Puis moi, l'important, c'était le bonheur de créer, tu sais. Puis un jour, il y a un homme, un artiste réputé ici au Québec, qui est réputé à l'international, et il voit ce que je fais, puis il dit, écoute, il dit, tu t'en viens à Paris avec moi, toi? Bien là, ah ouais. Il dit, toi, tu t'en viens à Paris avec moi. Il dit, je vais te présenter à mon agente. Puis j'aimerais ça que tu sois artiste pour la délégation canadienne. Fait qu'avant, ils ont soumis mon dossier à la Société des beaux-arts de Paris. Ils ont décidé que je faisais partie de cette gang-là. Puis je me suis retrouvé là. J'étais là devant mes tableaux, puis il est arrivé un homme qui a regardé mes tableaux, puis il a dit, je veux que tu fasses partie de notre galerie à Toronto. Et c'est comme, tu t'en attends pas, les choses se présentent, toi, t'es juste là, disponible à ce qui se passe dans ton présent, puis, tu sais, il arrive des affaires comme ça, tu sais, c'est comme, tu dis, pincez-moi, là, tu sais. Je m'insurge contre la stupidité, la bêtise humaine. Je m'insurge contre le gros bras, contre la violence gratuite. Et puis la cause que je défends, c'est donnons la possibilité au maximum de personnes à l'éducation. Parce que plus qu'on sait, meilleur on devient en tant qu'homme, en tant qu'humain. T'sais. Puis c'est ça. Puis moi, je me dis que c'est dans l'ignorance qu'on s'isole.